et je voulais juste vous remercier pour cette interview avec Ashiana. Je sais que c'est une série en 3 parties et vous pouvez la trouver sur votre chaîne. J'allais également laisser les liens dans la description de cette vidéo. Mais je pense que vous avez personnellement, je veux dire pour moi et je sais que tant de gens ont eu un impact énorme en diffusant ces enseignements et en les rendant plus accessibles, en les rendant plus publics. Ainsi, les gens que vous connaissez peuvent trouver les enseignements, vous savez, en savoir plus sur le gardien. Le livre Voyager et a commencé à percevoir toute cette histoire humaine cosmique galactique à un niveau d'intelligence supérieur qu'Ashiana a apporté et je pense que vous aviez une seule vocation. Grâce à The Guardian Alliance, être un système de soutien de ce travail. Oui, beaucoup de gens de Camelot ont trouvé son travail grâce à moi. Donc, cela l'a également aidé à soutenir son travail. Et moi, vous savez, j'ai aussi un lien fort avec elle et pour une raison quelconque, j'ai juste, vous savez, une réelle familiarité avec elle. Une fois maintenant que j'ai lu les livres, c'est extrêmement profond et impliqué et ce n'est pas pour les âmes sensibles comme on dit. Et c'est vraiment comme une histoire de l'humanité traversant les âges et les guerres des guerres spirituelles qui ont été menées avec diverses races c'était partout sur les planètes et divers génies génétiques et réingénierie. Désolé, c'est exactement ce que je voulais savoir, quelle était votre perception globale? Et comment vous y rapportez-vous et quel impact cela a-t-il eu sur votre vie, ces enseignements, une fois que vous avez lu le livre, n'est-ce pas? Eh bien, ce que je voulais dire, c'est que j'ai reçu un téléchargement psychique à la minute où je suis tombée sur le site web, et donc je... À partir de là, j'ai essentiellement... Nouveau, je ne peux pas l'expliquer. Cela m'arrive tout le temps. Je reçois des informations et je les ai toujours et cela me dit simplement des choses et ainsi de suite. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je savais que c'était exact. Je savais que c'était un groupe qui ne ressemblait à rien d'autre sur la planète Terre à l'époque, qu'il était beaucoup plus avancé. Alors j'ai commencé à enquêter, vous savez, le site web et les informations, et j'ai juré que j'essaierais de l'interviewer à un moment donné dans le futur, et moi aussi. Finalement, vous savez, je l'ai interviewé et avant cela, j'ai lu les livres. Lorsque vous lisez les livres, ils sont extrêmement difficiles à parcourir car il y a tellement de nouvelles terminologies et de nouveaux concepts que nous n'avons pas l'habitude de voir par écrit vraiment n'importe où. Et c'est extrêmement avancé à mon avis. Donc je reçois un hit quand je lis c'est vous savez que je sais simplement si quelque chose est vrai ou si ce n'est pas le cas. Et j'ai eu un très fort. Comprenez que l'information était correcte, que c'était, vous savez, comme une sorte de mine d'or d'informations sur l'humanité et les guerres spirituelles, comme je l'ai dit, remontant à des millénaires, vous savez, dans un sens interstellaire et ainsi de suite. Cela sonnait juste. C'est tout ce que je peux vous dire. Petit à petit ça s'est infiltré parce que quand tu lis les livres, tu te rends compte que tu n'auras pas tout en une seule prise. Vous pouvez lire les mots, mais il y a tellement de choses qu'il faut beaucoup de temps pour filtrer. Mais j'ai appris un vocabulaire entièrement nouveau, et donc je ne peux pas non plus dire que je suis un expert de ces livres. Pourtant, les connaissances dans certains domaines m'ont échappé simplement parce que je sais que c'est là, mais c'est juste trop, vous savez, c'est juste que c'est extrêmement dense. Je recommande son travail partout où je vais. Nous avons une invitation permanente pour qu'elle revienne et soit de nouveau interviewée. J'en suis à peu près à partir d'une certaine date, je suis devenu le seul journaliste à l'avoir interviewée, et c'est vrai aujourd'hui aussi. Ce fut donc un honneur de l'interviewer. Et vous savez que les interviews parlent d'elles-mêmes. Soit la connaissance résonnera avec vous, soit elle ne le sera pas. Elle parle de certaines races qui ont pris la décision d'aller contre l'humanité de manière négative. Et puis il s'agit de certains grands groupes qui contiennent ce qu'on appelle une sorte de résistance de façon négative, disons la loi de l'un, etc. Et cela inclut, vous savez, la commande Ashtar par exemple. Let's say the law of the one, etc. And
that includes, you know, the Ashtar Command, for example, and also et aussi Méditron, etc. Donc certaines personnes pensent qu'elles téléchargent des informations d'Ashtar et de Méditron et tout ce genre de choses, et ce n'est pas, vous savez, elles sont réelles. Le commandement Ashtar a une base énorme. Camp souterrain, Californie et Arizona dans cette région, etc. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que lorsque je regarde ces documents, lorsque j'entends les informations ou lis les informations que je connais, et c'est vrai de tous les documents que je rencontre, je peux dire si quelque chose est vrai ou non. C'est juste que ça résonne ou ça ne résonne pas. Et parfois, j'obtiendrai un coup et je penserai, eh bien, c'est juste fou. Pourquoi est-ce que je ne peux pas, vous savez, prendre ça en compte, quoi que ce soit? Pourquoi est-ce que ça me fait mal? Mais c'est le cas. Et puis moi souvent, presque, sans faute, renseignez-vous. Comme vous le savez, des semaines ou des mois plus tard, en effet, j'avais raison, qu'il y avait une raison pour laquelle mon vous savez, moi-même, résister à l'information et eux, et je ne peux pas expliquer quand cela se produit. Je ne peux même pas nécessairement expliquer pourquoi, mais j'en ai une très forte, vous savez, prise. Et par exemple, quand j'ai entendu les informations qu'elle a diffusées sur Métatron, j'ai tout de suite su que c'était correct et moi aussi, depuis lors, j'ai aussi une idée très forte du fait qu'il s'agit d'une intelligence artificielle. Tout comme nous savons qu'il y a une matrice, eh bien il y a une matrice, et vous pouvez visualiser la Terre comme ayant des rivières d'informations autour d'elle. Et même un de nos témoins, Pat Peterson, a dit que le scientifique de la communauté scientifique noire, c'est-à-dire la communauté scientifique cachée, considère tout cela, ce que nous appelons l'éther, comme un champ d'information. Il y a donc des rivières comme des matrices matricielles. Autour de la Terre. Et l'un d'eux contient des informations canalisées. Donc, au départ, beaucoup de canalisateurs ne font rien d'autre que puiser dans ce fleuve d'informations. Alors ils comprennent qu'il y a un taux de désabonnement. Vous pouvez comprendre qu'il y a comme une baratte et que tout cela continue de circuler chaque éon que vous connaissez et qu'il est régurgité pour ainsi dire sous diverses formes et modes. Mais néanmoins vous savez parce que nous sommes chacun de nous est un filtre donc nous filtrons. Grâce à ce que nous sommes en mesure de faire et nous pouvons également vous le savez, il peut y avoir un canal clair ou non et la plupart des gens ne sont pas si clairs qu'ils mettront leur propre superposition dans la situation et ils sont également Ashianadine mais en garde contre la canalisation car il y a une très grande chance de prise de contrôle dans cette situation, même une sorte de temporaire, vous savez où la personne sera facilement prise en charge, même pour de courtes périodes de temps. C'est donc le genre de choses où spirituel, c'est vraiment apprendre le discernement. Sur le plan spirituel, c'est un voyage. Tout cela est un voyage, et vous devenez en quelque sorte plus habile et mieux équipé pour y faire face au fur et à mesure que vous progressez. Vous êtes des incarnations. Et donc ce que je dirais, c'est que les gens qui ont emprunté certains chemins spirituels au départ, je veux dire que vous pouvez aussi simplement suivre une spiritualité régulière, que ce soit, vous savez, être musulman ou chrétien, vous savez, chrétien judaïque, judéo-chrétien, chrétien ou autre. En d'autres termes, il y a beaucoup de mensonges qui ont été proférés dans les limites de la soi-disant spiritualité et ou la religion. Cela fait donc partie du problème. Et à l'intérieur de cela, il y a eu une prise de contrôle au sein de ces groupes qui ont avancé certaines informations qui contiennent des mensonges et ont contenu des mensonges encore et encore mais n'ont jamais été révélés. C'est donc le genre de choses auxquelles nous avons affaire ici sur Terre, c'est un, vous savez, c'est un peu comme une soupe d'informations spirituelles et les gens doivent s'y retrouver. Eux, complètement pris en charge, complètement infiltrés, et c'est un être déchu. Pensez-vous que la rivière est juste? Je pense d'après ce que je comprends et mon point de vue, vous voyez même le nom Métatron, pensée Y, cela ressemble à une IA, c'est une IA à ce stade, ce n'est pas un être et il y a un problème aussi je pense dans un certain sens que il y a un problème aussi, je pense, dans un certain sens que
Nous ne connaissons pas la différence entre l'intelligence artificielle et ce que nous sommes réellement, et nous pouvons donc être trompés très facilement, et c'est un peu comme Battlestar Galactica. Tout ce que je sais, c'est qu'à mon avis, Métatron et que vous pourriez appeler des anges pourraient être l'IA, ce sont des êtres de lumière, où ils manifestent une forme de lumière, mais cela peut être artificiel, un certain type de celui-ci n'a pas la densité et la clarté de la vie réelle, vous savez, la vie spirituelle. C'est donc une tromperie, une forme de tromperie, et ça l'est. Il est compréhensible que vous connaissiez l'une de ces façons. Les gens pensent que le négatif se présente comme négatif, mais ce n'est pas le cas. Le négatif se pare de lumière. Il s'affiche comme bon. Vous savez, comme, vous savez, guérir les malades et sauver la terre. Sauf qu'ils ne te le disent pas. Ils sont, vous savez qu'ils font cela d'une manière manipulatrice et relative afin de servir leur propre agenda, ok, et tromper, vous savez, les humains sont comme peuvent être traités comme des enfants. Même si nous ne le sommes pas, nous sommes en fait particulièrement que les âmes qui habitent ces corps sont en fait, si elles parviennent à une pleine connaissance spirituelle, nous nous trouverons être des êtres spirituels très élevés.